laisse, faut qu'on m'appelle comme ça. Te filmer, ça te fait un bien fou. Merci, Mercedes. C'est quoi cette sonnerie là? Une sonnerie. Alors. C'était un pirate. Anglais. Oui. Oh, quel nul.
C'est Nathan là? C'est exactement de quoi tu parles. Oh non. C'est Nathan là? Oui. Nathan Strikes. Tu fais.
Fais gaffe en prenant le virage. Thank you.
Aïe. C'est dur. Il sent une sorte de levier au fond. Ben, allez, actionne-le pour moi. Quoi? Ça pourrait être un piège. T'es déjà dedans, alors je peux pas. Ça pourrait pas être agréable. Je pourrais perdre ma main. On pourra un crochet. Sérieux? Nous y voilà. Plutôt sympa la déco. Alors que le paradis se destine aux valeureux sœurs, les cœurs infidèles n'auront eux qu'un sort. De toute évidence, Avery est le meilleur pirate que poète. Sauf que c'est pas d'Avery. Comment ça? Mais non, c'est pas possible, je veux dire. Sois clair, c'est son emblème. Tu es mort en attaquant la même flotte de trésor qu'avec. Oui, enfin, si on croit les légendes. Si c'est bien l'emblème de Tio, alors ça veut dire qu'il est impliqué dans toute cette histoire. Mais comment? Bonne question. Merci. C'est bon.
Le pseudo, il doit être en haut. C'était bon ça. Le pseudo, il doit être en haut. Oui, attends. C'est-à-dire que tu dois tourner cette pièce et tu dois emmener le pseudo. Ouais, mais du coup, voilà. Ah, ça y est, je sais. Je sais, Romain. Va à celui là-bas, là. Va à l'avant-dernier de droite. À l'avant-dernier de droite. Oui, c'est le troisième. Tu le mouillines? Oui. Mais non, parce que quand je vais mouliner les autres, ça va. Et ensuite, quand tu prends celui-ci là-bas. Non, ça va te modifier. Non, non, l'autre. Oui, attends! Oh là là, 2 secondes. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Attends. Non. Putain, on peut pas. Faut que je reprenne un point. Ah non, un point de contrôle, ça me saoulait. Voilà, y'a ta mère. Oh. Oui, Tripa! Ah si, je sais peut-être. À tester. Ah putain, y a toujours un truc pour gêner. C'est pas ça que je veux. Hop, dégage.
C'est non plus pas ça que je veux. Ah oh, putain, c'est pas possible ça. Allez! Si on fait ça. Voilà. Que je suis bon quand je veux.
du côté de Dorfroi. À part quelques épitaphes vraiment bien tournées après. Vous avez creusé près de la salle capitulaire? Oui, madame. On a aussi pour tourner côté nord-est. Vous avez commencé dans le secteur sud? Non, pas encore. Il va nous falloir une journée pour y apporter. Nadine. Alors faites-le. En attendant, commencez quand même à creuser. J'envoie une équipe sur place, immédiatement. Très bien. Rafe, quelque chose ressort de l'UNESCO? Vous pouvez parler en privé? Tenez-moi au courant. Vous savez quoi? Vous avez trouvé une dépendance juste sous la cathédrale. Oui, je sais. Vous l'avez vu? Non. Pourquoi? Parce qu'après le passage de vos hommes, il n'y avait vraiment plus grand-chose à en tirer. Ils ont foutu la main un peu lourde sur On aurait dit un troupeau d'éléphants dans un magasin pour soleil. Mais ils ont été plus efficaces en deux jours que nous, en plusieurs mois. Plus efficaces? Je ne peux rien faire avec des gravats. Ok. Ok? Merci. Je leur dirai de vous consulter avant de prendre les mesures qui s'imposent. Dites-leur plutôt d'attendre que j'ai fini d'examiner les ruines avant de faire quoi que ce soit d'autre. Non, pas question qu'on se contente d'attendre les bras croisés. Avec tout le respect que je vous dois, je pense avoir plus d'expérience que vous, s'il vous plaît. On a essayé votre méthode. C'est faux. Salut maman. Très bien, et toi? Steve Winner. Ah, ça y est, je sais. Alors, le 30. Ouais. Bon, et maintenant,
j'y réfléchis. On va accrocher nos plantes là-dessus. Jamais. Voilà encore une fois. C'est là
plaque, elle peut bien incruster. Ou... Oh ok, pourquoi? Tu vois pas? C'est la seule chose qui a de la valeur dans cette grotte. Bien. Encore une épreuve. La cupidité. Ouais. Bien son contraire. Ok. Et donc? Ça va se jouer avec les pièces. Et sur le ton. Quasiment, ça peut la faire. Attends, une seule d'abord. Ouais, j'ai compris. Il s'agit ? C'est Madagascar. Regarde, il y a une étoile. C'est la paix du roi. Absolument. Quel sale enfoiré. Il nous fait tourner en bourrique. De quoi tu parles ? Ce qu'on d'abri. Il nous fait tourner en bourrique. On était censé toucher au but. Alors il est où ce putain de trésor, hein ? La paix du roi, c'est bien mieux. Mais après, ce sera quoi? Le pôle Nord? Une autre planète? La fin. Alors que le paradis se destine aux valeurs sales. Il recrutait des hommes. Qu'est-ce que tu racontes? Avri, il recrutait des hommes. Pourquoi il aurait recruté des hommes? Monsieur, la discrétion, c'est vraiment pas votre fort. Jetez vos armes. Lentement. J'ai des comptes à régler avec toi. Il suffit de me balancer par la fenêtre. Raif. Raif, répondez. Je suis au cimetière. Et ils sont venus là, Daniel. Je sais, ils sont juste devant moi. Quoi? Vous êtes où? Revenez à la cathédrale. Et suivez les trous. J'arrête de tuer. Ne les tuez pas avant que je sois arrivé. Rien vous promettre. La baie du roi. Oui, mais... Où exactement? Il va vous falloir cette croix pour découvrir. Et puis... On est que deux pour pouvoir vous dire comment vous en servir. Laissez-moi deviner. Vous deux? Tu peux t'en remettre à Raif, mais ça risque de prendre des années. Désolé pour vous, mais je suis pas venu pour ça. Apporte-moi le crucifix. C'est pas un crucifix. Quoi? Bah, techniquement, ce qu'on appelle un crucifix, c'est... une croix. Ouais, bon, c'est pas grave. Ne touche pas!
Allez, pourriture. Je parle à mon jeu. Tu joues à quoi, maman? De quoi? Ah. Et si vous n'avez joué à quoi? Non. Thank you.
échappé belle, hein? De Dieu, ils ont canardé mon coucou, Nate. Heureusement, on n'a rien. Dans combien de temps on peut être à Madagascar? Alors toujours pas de trésor. T'inquiète pas. Je vois pas pourquoi vous dites ça, regardez. On est riches. De Dieu. Disons que c'est un début. Vous pensez que le reste est à Madagascar? On a trouvé une pièce dans laquelle il y avait une carte géante de Madagascar sur le sol. Alors... Ouais, c'est une bonne piste. Ça commence sérieusement à sentir la chasse aux deuils, ton histoire, fiston. Le trésor n'a jamais été en Écosse. Mais à quoi ça servait tout ça alors? La croix de Saint-Dismas et la. Écoute, je te l'ai déjà dit. À mon avis, Avery recrutait des hommes. La croix, c'était une invitation. Les grottes, c'était juste une sorte de rite initiatique. Oh, on a réussi le test. Super, Victor. On a gagné chacun un cache-œil et un perroquet. Je comprends pas. Pourquoi est-ce que quelqu'un irait se donner tant de mal pour recruter des hommes? Il fallait bien qu'il se protège. Avery était l'homme le plus recherché de la planète à cette époque-là. Il devait s'assurer que ses recrues étaient dignes de confiance s'ils voulaient protéger leur trésor. Comment ça, leur trésor? Bah, réfléchis. Thomas Tew était lui aussi un pirate d'exception en ce temps-là. Alors, qu'est-ce que ça pouvait bien lui rapporter de rejoindre les rangs d'Avery? Ce que j'en pense, moi, c'est qu'Avery n'a envoyé de croix qu'à des pirates au moins aussi fortunés que lui. Et s'ils avaient décidé de planquer tout leur trésor au même endroit? Il y aurait de quoi faire passer le putain du Gunsway pour de la petite monnaie. Exactement. Oh, mon Dieu, merde. Ok, alors, où est-ce qu'on est censé aller? À Madagascar, exactement? À la baie du Roi, c'est un endroit où les pirates venaient se réfugier. Oh, je connais bien, c'est plutôt étendu. T'as rien de plus précis? Eh ben, la salle de la carte s'est complètement effondrée, alors... j'en sais rien. Je peux savoir ce qui te fait rire? Ceux qui survivaient à l'épreuve des grottes, les recrues. Quelle est la seule chose qu'ils pouvaient prendre avec eux? Il y a un volcan là-dessus. Il y a aussi un volcan près de la baie du Roi. Ce qui veut dire qu'on a intérêt à se manier le train. Ça nous a pas facilité la tâche. Au contraire. On a eu des problèmes avec le matos, mais personne n'a été blessé. L'important, c'est que tout le monde aille bien. Alors, vous commencez à travailler demain? On doit décaler. Pas le choix. À mon avis, il va bien falloir compter au moins 10 jours de plus. Oh. 10 jours? Et pourquoi est-ce que j'essaierai pas de prendre un billet pour te rejoindre? Oh, tu sais, ça vaut vraiment pas le coup. Tout va bien, je veux dire... Les gars ont tendance à surestimer les choses. Je suis sûr que ça vous prendra moins de temps que ça. Ok, je vois. Précipite pas les choses, fais bien attention. C'est promis. Toujours. Ah, désolé chérie, mais il va falloir que je te laisse. Jameson est en train de me faire signe. Ok. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. La carte nous indique toutes les structures présentes autour du volcan. Quelques avant-postes abandonnés, et quelques tours de guet aussi. Tours de guet? Avery était l'un des hommes les plus recherchés au monde à l'époque. Alors s'il se cachait quelque part ici, il avait besoin de voir au loin. Et l'une de ces tours se situe pile sur le volcan. Avec le trésor d'Avery. Croisons les doigts.